Bonjour tout le monde, cette vidéo vous montre le résultat de mon travail et non pas comment je fais ce travail. Bon visionnage! Alors, pour atteindre ce niveau de salissure, que faut-il? Il faut les graisses d'une première cuisson qui vont être brûlées par la flamme de gaz en général. Ensuite, les graisses d'une seconde cuisson par-dessus, à nouveau brûlées, etc., etc., jour après jour, semaine après semaine. C'est lamentable, mais c'est comme ça. Donc, si vous vous posez la question de savoir si quelqu'un cuisine à l'intérieur de pots comme celui-ci, je vous dirais que oui. Et souvent, ça peut être même bien pire. Voilà un petit décapage à la main. Pour l'extérieur et également pour l'intérieur. C'est déjà mieux, mais ça ne suffit pas. Finalement, j'ai décidé de ne pas vendre cette sauteuse, je la garde pour moi et après un petit étamage et un petit polissage extérieur, voici le résultat. Toutes les étapes de travail ont été faites à la main. Le décapage de base de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que l'étamage et le polissage extérieur. Je n'ai utilisé aucune machine. Donc le résultat est correct, parce que travailler à la main, c'est pas évident. Et voici l'étamage. Cette sauteuse est prête pour une nouvelle vie. Bye.